Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Invoyance et bienvenue sur Machine de Voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot. Pas une vidéo de voyance mais un débrief et on va débriefer sur le match Marseille contre Rennes qui vient tout juste de terminer. Donc j'ai mis ce titre-là, oui je l'avoue c'est pour vous attirer à cliquer, mais il y a aussi une part de vérité là-dedans. Déjà, je tiens à m'excuser pour mes deux voyances aujourd'hui qui ne sont pas passées malheureusement. Voilà, ça arrive, il y a des jours comme ça, mais je reprendrai ça vraiment bien d'ici quelques jours. Donc pour Marseille, on a eu 63% de possession et pour Rennes seulement 37%. Donc déjà, Marseille avait la large possession de ce match. Donc ce n'est pas normal qu'il se retrouve avec ce score de 2-2. C'est assez limite, surtout face à Rennes, quoi. C'est pas l'une des meilleures équipes normalement. Donc on a eu à la 20e minute un carton jaune pardon, du côté de Marseille. 38e minute du côté de Rennes, penalty de Bourigeaud, je sais plus trop les noms en fait, il me semble que c'est ça. Ensuite, à 46e minute, donc juste avant la mi-temps, on a eu un but de Sarr. 54e minute, on a eu un but du côté de Marseille, donc par Ocampus. 72e minute, contre-sans-camp, un joueur de l'équipe de Rennes a marqué donc, du côté de Marseille, Bensa Beni. Et c'est uniquement avec ce but que Marseille réussit à faire un match nul. S'il n'y avait pas eu ce but, Marseille perd encore une fois, donc c'est assez limite. Marseille a perdu 3-1 face à Nîmes, pardon. Marseille a perdu 5-2 face à Bournemouth. Marseille a fait un match nul contre Sporting, Marseille a perdu contre Betis et Marseille a fait un match nul contre Villarreal. Alors c'est assez limite dans leur jeu. Alors je ne sais pas de quoi ça vient. Tout le monde dit Marseille, Marseille est fort. Pour le moment, oui, ils font des beaux matchs. Ça c'est vrai, ils marquent des buts, ils jouent bien, mais il y a quelque chose qui leur manque. Et honnêtement, pour se retrouver dans le top 5 cette année, pour eux, ça commence à être compliqué. Voilà, c'était le débrief pour ce match-là. Je ne critique pas l'équipe de Marseille, au contraire, c'est une équipe que j'aime bien. Mais il manque quelque chose à cette équipe cette saison, enfin cette nouvelle saison, pour qu'ils puissent s'affirmer un peu plus et réussir à se démarquer. Bon, peut-être ça va venir avec le temps, nous verrons ça. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur ma page fan Facebook, Jérôme M Voyance. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir mes autres vidéos de voyance sur le foot, sur le sport, sur les personnages publics. Enfin, je fais de tout maintenant et je vais essayer de répondre vraiment aux demandes de tout le monde. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires.